Et je viens de démarrer donc un de mes systèmes, en l'occurrence donc Linux Mint 20. Donc qui dit Linux Mint tout court, c'est l'environnement de bureau Cinnamon. Et regardez ce que me propose Mint Update, donc l'utilitaire de mise à jour. Je clique. Une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. Donc le gestionnaire de mise à jour reçoit une mise à jour. OK. J'applique. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Splendide. Édition, voilà. Mettre à jour vers Linux Mint 20.1 Ulysse. Alors, ici, c'est parce que je sais, hein, je sais que si je passe par la barre d'outils, édition, que dans la fin du menu, j'aurai mettre à jour vers Linux Mint 20.1 Ulysse. Mais je devrais avoir l'utilitaire de report système, donc Mint Report, qui devrait m'indiquer par une notification que je peux passer vers la nouvelle version de Mint. Ok, j'aurais bien voulu que Mint Report apparaisse. Si je fais, voilà, relever du système. Regardez, mettre à jour. Mettre à niveau, pardon. En fait, Adrien a déjà montré, mais Adrien, si vous voulez, il pourrait s'appeler également Lucky Luke, dans le sens où, voilà, il a voulu montrer très rapidement comment effectuer la mise à niveau, sans attendre que le système ne propose de le faire. Donc, lui, il a proposé donc d'effectuer la mise à niveau en modifiant donc le fichier des sources, donc le fameux fichier source liste. Ok. Donc ici, non, on a attendu tout naturellement que le système nous propose d'effectuer la mise à niveau. Et regardez, mais il n'y a qu'à faire du clic sur suivant. Voilà, suivant. Vous pouvez également, vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter donc les notes de version. Hein. Ok, c'est préférable. Suivant, ici, on va pas le faire. Gardez donc notes de version ici, hein, donc précédent, ok, on peut les consulter. On peut consulter donc les nouveautés. Suivant, prérequis. Attention, les nouvelles versions fournissent des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités, mais elles peuvent aussi parfois introduire des problèmes nouveaux. Une mise à jour représente toujours un risque. Vos données sont en sécurité, mais d'éventuels problèmes nouveaux peuvent affecter votre système d'exploitation. Je comprends les risques. Appliquez. Mot de passe du Seigneur qui va bien. Et c'est parti. Donc, j'ai même pas le temps de cliquer. Installation, donc après la phase de téléchargement, la phase donc d'installation. Alors nous allons un peu mettre de l'ordre. Voilà, on va déplier. C'est toujours bien d'avoir quelques infos. Voilà, on patiente. Et voilà, votre système d'exploitation a été mis à jour avec succès. Oui, d'accord, mais il faut, voilà, il vaut mieux attendre
d'avoir redémarré, d'être sûr que tout soit fonctionnel. Donc, veuillez redémarrer l'ordinateur pour que tous les changements soient appliqués. OK, pas de souci. Pas de souci, on va faire ça. Eh bien, écoutez, déjà mon système a démarré. Ok? Ce que je vais faire appel au gestionnaire des paramètres. Et ici, je descends dans le bas. Il faut que je le retrouve. Il faut, voilà, information système, Linux Mint 20.1 Cinnamon. Ok. Pas de souci. Ce que je vais absolument vérifier, c'est faire appel à l'utilitaire du disque GNOME, vérifier, OK, SSD, 3 HDD, mon volume RAID 0, est-ce qu'il est toujours opérationnel, fonctionnel? Oui, OK, c'est bon. D'accord, je vois que j'ai des mises à jour. Donc, installer les mises à jour. En même temps, donc logique des notifs, ok, je dois mettre à jour donc tout ce qui est en fait. Donc je dois mettre à jour Spice Update. Spice Update, c'est un applet qui me permet justement de vérifier s'il y a des mises à jour. Donc applet desk. Clés, des squelettes et extensions. Ok, là j'ai un système totalement à jour. Alors ici, petit clic central de la souris. Alors, on va mettre tout à jour. Voilà. Il check. On va le laisser faire. Ok, c'est bon. On va voir si tout fonctionne toujours. Je rappelle que c'est mon système hôte. La fenêtre est partie. Donc, navigateur Internet est parti sur l'autre écran. Donc, c'est un système que j'utilise mais constamment. Hein. Donc, alors au niveau de Nvidia, c'est bon. Oh, une Quadro FX 580. Je sais pas, mon bureautique LibreOffice, ça démarre toujours. Ça a l'air. Graphisme GIMP. Ok, tout démarre toujours. Eh bien écoutez, je pense que on est bon. Allez, bye bye.